Bonjour YouTube, comment ça va? Nouvelle vidéo aujourd'hui les gars, ça y est, le portail de Gamma et Gamma 2 est arrivé sur la version globale de Dokkan Battle. Ils étaient sortis la semaine dernière sur la Jap, j'avais lâché trop de DS en vrai sur ce portail, sur mon compte Jap. Bon après en vrai ça méritait parce qu'il manquait beaucoup de cartes et d'ailleurs j'ai toujours pas eu le duo Cyborg qui manque clairement à mon compte Jap, mais bon bref ça on s'en fout. Ils viennent d'arriver, donc Gamma 1 et Gamma 2, je rappelle c'est un portail à 7 cartes avec 2 nouvelles unités, enfin 2 unités vedettes, ça fait un moment que c'est pas arrivé sur le jeu. On m'a parlé de il y a 3, 4 ans ou 5 ans, je sais plus. C'était déjà le cas. Moi, j'ai jamais connu ça. C'est la première fois. Alors, en termes de taux de drop unitaire, pour avoir une nouvelle unité de Canfest, enfin, plutôt d'avoir une des unités vedettes, bah, du coup, c'est plus intéressant parce qu'il y a 7 cartes, dont 2 nouvelles. Malgré tout, Gamma 1 et Gamma 2, faut quand même comprendre que ce sont 2 cartes qui, à date pour le moment, si vous êtes déjà LLR des 7 ans, ne servent qu'à passer les nouvelles missions CMAX. Faut le faire en 8 tours, faut le faire en team post spécial et tout. Mais à part ça, pour le moment, il ne sert pas à grand-chose. Il faut aussi comprendre un truc, c'est que Gamma 1 et Gamma 2 reviendront à 200% pour la célébration où t'auras Gohan Beast et Piccolo Orange liés au film, Super Dragon Ball Super Hero, comme Pan, d'ailleurs. Si t'as pas droppé Pan, moi, Pan, je l'ai pas. Gamma 1 et Gamma 2, bah, j'espère les avoir, mais si je les ai pas, bah, je les prendrai à ce moment-là. Donc il y a un monde où on va les revoir pop assez vite, peut-être en fin d'année sur la Jap, fin décembre, peut-être à l'anniversaire au mois de janvier. Mais à mon avis, on va pas attendre 6 mois avant de les voir revenir sur le jeu. Parce que de toute façon, Dokkan n'attendra pas un an avant de te faire une célébration avec les 2 nouvelles superstars de... Enfin, superstars, on s'est compris. De la licence Super Dragon Ball... Dragon Ball Super, putain, j'ai SDBH en tête, c'est terrible. Donc voilà, et puis voilà. Au-delà de ça, n'oubliez pas, il y a SDBH qui arrive, il y a Talamata sur la globale. Donc faites pas les cons en termes de DS parce que bon, ils sont bien. Le portail est peut-être intéressant comme ça parce que t'as 3 cartes plutôt intéressant, plus Gohan Tech de dispo. Mais voilà, peut-être pas de dinguerie, SDBH, tout ça, si tu veux lâcher quelques multis dessus, c'est le moment. Nous, on y va, on a pris les tickets, 45 tickets, on a donc, du coup, c'est les multis de 5 avec un SSR garanti. Les tickets coûtent de plus en plus cher. Je suis en train de me demander si je vais pas arrêter de les prendre parce que Dokkan est en train littéralement de me plumer là, avec ses tickets à chaque sortie de cartes. Et à coût de 40 balles les tickets. Ça fait beaucoup, donc bon, on verra bien. En attendant, nous on y va. J'espère que toi de ton côté tu as droppé celui que tu veux, le plus intéressant c'est le puissance, donc le gamma 1. Moi j'ai l'agilité sur la Jap, il est bien, mais le puits est clairement meilleur. On y va, let's go, good luck à toi, à mon tour, c'est parti. Faille de rosée, ça faisait un petit moment. Dokkan Battle. Que j'ai pas eu de faille de rosée. Ah, détecteur. Oh Alida. Oh Alida, attention. Franchement, 2 chances sur 7, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Même si en vrai, c'est le puits que je veux. Là, je vous dis, je l'ai sur la Jap. C'est clairement le puits qu'il faut si tu veux réussir à passer les events Cell Max avec un seul des deux Gamma. lui, le SSR, j'ai déjà à 100%. Je suis fatigué de voir sa tête. Sur la Jap, j'ai pas de doublon. Et ici, il me court derrière. C'est insupportable. Ok. Ok, Gohan Tech. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est mon deuxième doublon, je crois. C'est mon deuxième doublon. La team Guido, dès qu'elle se fait buff, on prend, bien sûr. Ok. Écoute, let's go. Let's go, on continue. Le duo Cyborg, sinon. Duo Cyborg, je crois que j'ai 2 doublons. Ou un doublon, je sais plus. Mais Gamma 1, Gamma 2, s'il te plaît, Dokkan. Les deux en vrai, j'ai vu des multis sur Twitter comme d'hab, enfin de toute façon tu connais Twitter. Si t'as pas drop, c'est vraiment l'endroit qu'il faut éviter parce que là-bas, c'est le démon. C'est le démon, faut pas y aller. Bon de toute façon, comme d'hab, t'as vu j'ai 1100 DS, je veux sortir de ces célébrations avec 700 DS minimum. Donc j'irai faire quelques multis si vraiment là on en drop aucun des deux. On se retrouve ce soir en stream, comme d'hab, les horaires tu connais, le vendredi, aux alentours de 18h chez toi. Allez, Dokkan! Bon, après, en vrai, je suis censé avoir un détecteur toutes les... là, c'est des multis à 5, c'est donc... Ouais, toutes les 4 multis. On a commencé par Gohan Tech, ça pique un peu, quand même. Je sais pas si c'était mieux les tickets, vous savez, à l'époque, où vous avez un tirage de 20, mais avec un détecteur garanti. Parce que là, franchement, c'est pas ouf, Putain. Ok, donc là, normalement, on rentre dans le cycle où il y a un détecteur qui arrive. C'est pas une animation, ça, je crois.
C'est pas une animation. Non mais faille de rosée s'il te plaît. Fais-moi une faille de rosée. Dokkan, s'il te plaît. Ah! Allez, un deuxième. Non mais non. Non. Tout ça parce que j'ai dit tout à l'heure que Gamma 1 et Gamma 2 ne servent qu'à passer l'émission CLMAX. Tu te rends compte ou pas? Après, évidemment, hein, s'ils peuvent servir à... Tu sais, j'essaie de retourner un peu les bails, tu sais. Ils peuvent servir à d'autres trucs. Comme tu passes CLMAX, tu passes tout dans Dokkan. Après, j'ai déjà tout passé. Bon, il manquera que l'émission CLMAX. Mais bref, t'as compris. C'est le moment. Allez, Beerus tout seul. Non mais attends. Et par contre, Trunks, faut que tu restes chez toi, frérot. Je suis fatigué de faire ta gueule. Hein. Trunks, reste chez toi. Si c'est pour prendre la place à C18, non, en fait. Non. Mais arrête de faire ça, tu me fais pas un double craquage, j'ai compris ta carotte. Donc là, les tickets... les tickets que j'ai pris, c'était pour dropper un doublon de Rikum Guldo. C'est ça là que t'es en train de me... Oh putain, c'est ça que t'es en train de me... Me vendre la Dokkan. Ok. Bon, après, en vrai... Après, bon, j'ai pas drop, mais j'ai pas trop forcé. Enfin, j'ai pris les tickets comme d'hab, tu vois. Mais là, ça fait quand même deux portails. Hein, si vraiment, je ne drop rien là. Surtout qu'en plus, il y a deux nouvelles cartes sur 7, Dokkan. Sérieux. Mais moi, au moins, un détecteur. Je sais pas, fais un truc. Allez, let's go. Mais pas... Non mais ça c'est un cyborg, mais c'est pas lui qu'on cherche. Tain, les gars, il y a plus que 3 multi. Attends, je vais redémarrer. Après peut-être qu'il y a la... Tu sais, l'intro de lancement là. Attends. Ok, c'est bon, je vais redémarrer le jeu. 3 multi. Ok, Dokkan. 3 multi. S'il te plaît, donne-moi un détecteur. Allez, let's go. S'il fallait redémarrer le jeu, fallait me dire. En plus, je sais pourquoi. Putain, mais pourquoi tu viens, Shaozu? Mais fallait rester chez toi, frérot. Fallait rester chez toi. Mais je sais aussi pourquoi. Je vous ai dit, je suis pas encore allé voir le film. Ouais, je suis une putain de fraude. Je ne suis pas encore allé voir le film. Et c'est trop tard. J'ai plus le temps, là. J'aurais plus le temps. Donc, j'aurais pas vu, en fait. Tu vois, j'aurais pas vu. Bon, après, en vrai, je reprends le taf mercredi. Lundi, c'est férié, donc... Non, lundi, c'est pas férié. Lundi, j'ai pris un jour de congé. Je raconte ma vie, mais ok. C'est mardi qui est férié. Je reprends le taf mercredi. Oh putain, les singes. Donc peut-être que d'ici là, j'irai voir le film et je vais dropper, non? Non? Non, Dokkan. Ah! Pouah! Eh, j'ai souffert, hein! Je te jure, tu me donnes Broly Endurance. Je vais vraiment mal le vivre. Ok? Donc envoie gamin, s'il te plaît. Gamma 2, c'est pas grave. De toute façon, l'émission CLMAX, en vrai, je m'en bats les couilles. Hein. Moi, je suis capable d'attendre si je les passe pas. Je vais forcer avec ma box si ça passe pas. Tant pis. Je te jure, tu me donnes Broly Endurance. Je vais vraiment mal le vivre. Okay. Mais... Franchement, Dokkan. Empêche-moi de t'insulter. Empêche-moi d'insulter ta grand-mère, s'il te plaît. Faut que j'arrête de call comme ça. Je le fais tout le temps. Faut que j'arrête de call. C'est... Non. Mais putain, Shaozu. Faut pas faire ça. Ne faites pas ça. Ne faites jamais de call, les gars. C'est... Faites pas ça. Un conseil, hein, vous l'avez vu suffisamment de fois sur cette chaîne. Faire des calls, c'est des idées de merde. Donc là, Broly... Rikum Guldo et Gohan Tech et Vegeta 3 Tech. Bon, je fais deux multi avec les pièces, avec les pièces. J'ai deux multi avec les DS. Je serai à 1000 DS. On verra où on se situe et on verra ce qu'on fera ce soir. Je ne sors pas de cette célébration sous les 700 DS. Donc voilà, on y va, let's go, Dokkan.
te plaît, hein, peut-être qu'il fallait que je touche ton nez là, à toi ou à toi, hein, les fourmis 1, fourmis 2. Ok, 1, 2, 3, 4, toi non, 4, 5, 6, 7, let's go. Paille de rosée, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ces animations de mes deux, sérieux? Non mais, c'est insupportable. Parce qu'en plus, tu sais comment ça va se passer. Gamma 1 et Gamma 2 seront sur un double de Canfest, quand il y aura la célébration du film. Donc ça rendra les portails encore plus intéressants, tu vois. Encore plus. Donc, si tu l'as pas là, c'est pas grave. Mais donne-en moins un des deux, tu vois. Mais qui c'est? T'es qui, toi? D'où tu viens? Je te connais pas. En plus, en vrai, je crois que je l'ai pas à 100%, lui. Il est pas ouf, mais... Je sais pas. Eh mais... Mais c'est des cartes qui sont sorties en... pendant quel siècle, en fait, ces deux-là, là. Bon, les gars, dernière multi, s'il ne tombe pas là, on verra ce qu'on fait ce soir. De toute façon, le lien de la chaîne Twitch est dans la description. N'hésite pas à t'abonner, comme d'hab, follow, tout ça, tu connais. On stream 3 fois par semaine. Dokkan, c'est maintenant ou jamais. Vas-y, let's go. Mec, attends, tu vas me dire là, quand en je sais pas combien de multi, j'ai eu deux détecteurs. C'est ça que t'es en train de me dire? Broly et Gohan Tech. Ah, ok. Ok, putain, j'ai eu un doute. Hein. Bon, après, il y avait Virus, peut-être que ça annonce un Gamma. J'arrête d'annoncer les cartes. Si, j'ai annoncé Gamma. Alors, Gamma 1, let's go. Gamma 1, let's go. Ok! C'est lequel? C'est le 2. Bon, ok, c'est pas grave. C'est bon. C'est bon. Le nerf est sauf. À chaque fois, c'est comme ça. Je me fais plumer sur les tickets et après, je fais quelques multi avec les DS et puis ça tombe. Ok. Bon. C'est pas le plus intéressant des deux, clairement. Sauf si je me suis trompé. Mais non, je crois pas. Non, c'est celui qui est sur la jab. Donc, c'est le moins intéressant des deux. Enfin, le moins bon des deux, dirons-nous. Même si le tape plus fort, c'est le moins bon. Mais ok, on prend. C'est ça de prix, ok. On est en célébration au cyborg. Bon, et ben écoute, j'espère que t'auras été plus chanceux que moi, même si en vrai, je me plains, mais bon, j'aurais quand même droppé un des deux, donc on va pas se plaindre. J'espère quand même que toi, de ton côté, t'auras droppé celui que tu veux, hein, de préférence, les puissances. J'espère que tu t'auras plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, commentaire, like, cloche, tout ça, tu connais. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Dokkan Battle. À très bientôt, salut, ciao.